rest. 15 secondes. Okay. Bonsoir, Larry Steele. Salut. Ça va bien? J'ai le bon micro? Oui. Ah, cool. Bonsoir. Mais c'est vrai que dans les écouteurs, ça résonne pas mal. Non, oui, c'est... Ah, OK. Qu'est-ce que ça fait? OK, oui, voilà. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble, on dirait. Hein? Ça fait... Parce que, bon, la semaine passée, c'était moi seul. La semaine d'avant... Non, la semaine d'avant, c'était toi. Puis avant, bon, on a bien rigolé la dernière fois. Et on va rigoler ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. Oui. Et donc, Daniel Robichaud. Bonjour. Moi et moi, Larry Steele, et il s'agit bien de Trois Beaux Canards. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter? C'est la sélection... Ridant. Oui, masturbation intellectuelle. Et ça donne à ça, hein? Quelle bonne façon de commencer l'émission. Oui, tout à fait. Mais si vous avez une meilleure idée, hein, n'hésitez pas à téléphoner au 494-2487, c'est pour faire une demande spéciale ou pour nous dire je sais pas quoi. Mais vous êtes la bienvenue. Et oui, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? D'habitude, au début de l'émission, on va parler de qui ce qu'on est. Oui. On est Trois Beaux Canards. Oui. Trois Beaux Canards, c'est une émission francophone à CKDU. Puis, ça roule depuis combien de temps, là, Trois Beaux Canards? Ça roule depuis une quinzaine d'années, en effet. Fidèle au poste, toi, depuis le début? Fidèle au poste dès le début. Il m'arrive de manquer des soirs, mais je viens toujours. Et Daniel est ici depuis combien d'années maintenant? De 2004. Ah, c'est bien, parce qu'on est rendu à 2010. Alors, c'est incroyable comme le temps passe, mais tu peux, je pense, te dire aussi fidèle au poste. C'est bien. C'est parce que quand on se fait piquer voilà, à la radio, on attrape la fièvre. Oui, avec le salaire qu'on gagne ici. Hein, effectivement! Donc... on s'amuse bien, c'est ça le salaire. CKDU 88,1 FM dans la région d'Halifax. C'est la radio communautaire, multiculturelle et surtout universitaire qui célèbre ses 25 ans cette année. Et oui, et dans un jour, apparemment, ce sera encore haute puissance et avec un transmetteur qui marche et tout ça. Mais apparemment, ben, on peut nous rejoindre quand même en ville si vous êtes dans le centre-ville. Alors, je suppose que si vous nous écoutez, vous l'êtes, ou bien vous nous écoutez à travers l'Internet, à www.ckdu.ca, où la qualité sonore est assez bonne, en fait, aussi. Effectivement. On peut télécharger en MP3 tout... C'est pas encore réglé, ça. C'est pas encore réglé, ça. Mais c'est-à-dire que le site ouvre, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne à 100%. Enfin, vous voulez vérifier. Mettons. Ça doit faire partie des réparations qui sont en train si, de si. Faire. Voilà. Ils ont réparé la page web, mais enfin, j'ai pas pu télécharger l'émission de la semaine passée. J'ai essayé. D'accord. OK. Comme ça, on n'ira pas voir au 3beaucanards.com non plus pour cette émission-là. Elle va pas être là. Non. On n'a pas la technologie cette semaine. Bientôt, pour vous la ça va être de retour. Et notre beau site va être tout à fait beau. Effectivement. OK, on est quasiment à la fin du mois de janvier. Oui, on est... Oui. On est quasiment à la fin du mois de janvier. Il y a deux semaines, il y a eu un sacré tremblement de terre en Haïti. Oui. On en parlera probablement plus tard à l'émission. Mm-hmm. C'est aujourd'hui, en 1986, que la navette spatiale Challenger s'éclabousse sur Cape Canaveral aussi. Ah bon? Qui avait fait 7 morts. Mm-hmm. Et si tu es très chanceux d'être né le 28 janvier, tu partages ton anniversaire avec Sarkozy. Oh! C'est quelque chose. J'ai pas fini encore! Oui, je vois que tu as d'autres dates remarquables à nous. On est la Saint-Thomas d'Aquin. Au calendrier liturgique, là, pour les moins laïcs comme moi, on est la Saint-Thomas d'Aquin aujourd'hui. Ça veut dire quoi, là? C'était un théologien dominicain qui est mort dans les années 1200. Il y a beaucoup de paroisses acadiennes qui sont nommées après. Ah, d'accord. Donc, ça a quand même une certaine signification
pour toi. Et pour moi, parce que je m'intéresse à tout ce qui est acadien. Je pensais que tu l'as dit que tu t'intéresses à tout ce qui est liturgique. Ah ben ça, par contre, non. T'as une chanson pour oui, nos j'ai une auditeurs. Chanson. Ben, comme tu es un peu dans les nuages, je dirais, non. Mais la chanson que j'ai à vous faire écouter est d'Ariane Moffat et ça s'appelle les Perséides. Et les Perséides, ce sont bien sûr des météorites. C'était comme un spectacle de météorites qui éclabousse, quoi. Alors, les Perséides, et ça la transmet, enfin, la vision de cela la transmet en ben, toutes sortes d'états. On va l'écouter. Est-ce que tu as écouté le concert pour l'Haïti? La version de « Quand on narque l'amour » qu'Ariane Moffat a fait? Non! Oh! J'en avais les larmes aux yeux. Ah. Je suis presque obligé d'arrêter de conduire. Tu étais dans l'auto? Oui, j'étais dans l'auto, puis j'écoutais ça, puis... Défense d'écouter la musique dans l'auto. Bien, surtout le contexte, puis « Quand on narque l'amour ». Très bien.